de très loin. Ma famille et moi, on a vécu tout ce qu'on a pu vivre. On était en Afrique comme tout le monde et puis le Seigneur a fait grâce que nous sommes arrivés ici au Canada. Mais en arrivant au Canada, on servait déjà le Seigneur en Afrique et tout. Mais en arrivant au Canada, on a perdu un être très cher qui était notre père. Deux fois, en me réveillant, je me réveille avec un rythme ou je me réveille avec une parole. Puis je décide que je veux continuer dans cette idée. Mais c'est un peu plus, je dirais, c'est un don qui m'a choisi, je dirais, au fait. C'est un don qui m'a choisi parce que je n'ai jamais vraiment voulu faire ça. Moi, tout le monde sait que je suis dans l'art, oui, mais c'est plutôt le dessin, mais l'écriture, ce n'était pas trop mon affaire. Mais je pense que c'est Dieu qui... Quand il donne quelque chose, il sait pourquoi il donne à la personne. Je ne sais pas si c'est moi qui ai fondé le groupe, mais je dois quand même dire que de mes sœurs, je suis celle qui a chanté le plus longtemps, bien avant. Mais on a commencé avec Nathalie. So we started as a duet. Nathalie and I, and we were writing songs. Et je pense que j'ai un plus parce que je joue quand même à l'instrument et tout, donc ça fait que ça me facilite de pouvoir écrire, composer. Ben, généralement, la plupart de temps, la façon dont on travaille, c'est que j'ai une mélodie, ou soit Nathalie a des paroles, mais elle n'a pas de mélodie. J'ai une mélodie et alors on plaque les paroles sur la mélodie. Ou c'est l'inverse, j'ai une mélodie et sur la mélodie on compose le chant. Et je sais pas, c'est Dieu qui donne le don, c'est Dieu qui donne le talent. Je dirais pas qu'on a les plus belles voix, certainement peut-être artistiquement on n'est pas les meilleurs, mais chacun a une touche particulière, chacun a un don particulier. Donc moi je vais dire que c'est un appel de Dieu, je ne l'ai pas forcé. Mes sœurs ont commencé avant moi, ça me plaisait de les voir chanter, surtout la sœur Rosine quand elle se mettait devant à chanter, j'étais comme oh mon Dieu, c'est comme si l'esprit descendait, tu sens la présence du Seigneur. Mais comment je me suis retrouvée avec eux, je ne sais pas, je ne vais pas l'expliquer, mais c'est un appel de Dieu tout simplement. Voilà.